Jordy Ben choisit de remettre vers Yerjabek. Yerjabek vers Dano. Dano qui ramène le disque en territoire du Lightning. Une belle incursion. Un but certain pour Max Pacioretty qui n'en croira pas ses yeux en voyant la reprise. C'est la passe à Konecker. Ensuite à Gould. Voilà maintenant Dantos qui a réussi à s'emparer de la rondelle. Un 2 contre 1. Avait une occasion en or. Beaucoup d'occasions de marquer sur cette séquence de la Rose qui alimente Shaw. Il est en échappé lorsqu'il rate. Et là, on a vu encore comment Braden Point a des vraiment des atouts extraordinaires. Voilà la contre-attaque! Eh bien, il fallait Madame Béliveau pour que ça débloque. Pour Max Pacioretty, c'est un. Hedman remet à Stamkos, c'est un peu loin. Voilà Kucherov qui s'amène dans le coin. Kucherov avec un long mouvement encore. Tire. Et le but! Il a complètement endormi et le quatuor et le gardien de but. Et comme on l'a vu à Tampa, Marc, les meilleurs joueurs du Lightning répliquent aussitôt au premier but du Canadien. Voilà l'arrivée de Girardi. Mais là, on aura un 3 contre 1, peut-être même un 4 contre 1. Vasilevski, de la part de l'arbitre. Alors, je me disais que... Non, je pense qu'il lui disait de se tasser, mais regardez bien cet arrêt de Vasilevski. Je suis obligé de vous dire que ce n'est pas un arrêt facile, mais ça a l'air tellement facile. Mais un dégagement récupéré par Joe Morrow. Morrow à Schlemko, qui remet derrière un cadeau pour Paquette. Et Schlemko peut remercier le poteau droit du filet de Carey Price. La rondelle donne sur la baie vitrée. Drouin remet à Osner, qui rate son jeu. Et voilà Kucherov qui s'amène seul devant Price. Kucherov, la feinte, le tir! Et le but, la rondelle a dévié. Oh, j'hésitais, j'étais convaincu qu'il avait réussi à déjouer Price. Mais le disque a dévié. Price va résister et ça demeure 1-1. Il tombe Stralman, mais en bout de ligne, le disque est à André Palat. Petrie est sauté dans la mêlée. Palat remet à Johnson. Oh, quel arrêt de Price! Ensuite, le filet pour Palat. Tout en arrêt de Price! Carey Price va voler Tyler Johnson sur la séquence initiale. Lorsqu'il se rend compte que Palat est fin seul, qu'un retour de lancer qui est hors position, il va d'un geste in extremis acrobatique. Il effectue l'arrêt avec la jambière droite. Alors, Byron Vasilevski au départ. C'est parti en tir de barrage. Byron 0 en 2 cette saison. Le voilà devant Vasilevski. La fin de... Paul Byron donne l'avantage aux Canadiens. Seul marqueur du Lightning ce soir. Il aime décocher rapidement côté bouclier. Kucherov s'amène devant